Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagoule Céleste pour la semaine du 21 au 28 février 2021. C'est la deuxième phase de la troisième lune d'hiver et donc je vais vous conter avec Christophe et Michel les événements célestes de cette période, donc du premier quartier, le 21 mars à 15h40, à la pleine lune le 28 mars à 20h47. C'est aujourd'hui où nous enregistrons cette vidéo, c'est le 20 mars, c'est le printemps, joyeux printemps. Je le célèbre avec vous, voilà, et quelques petites fleurs fraîches et très tendres car il fait très frais et très beau. Alors, on va les laisser là, les fleurs. Voilà. Et donc, qu'allons-nous pouvoir voir cette semaine ? Eh bien, donc, cette semaine, le soir, nous pouvons voir la Lune dans le ciel, puisqu'elle est dans sa deuxième phase donc croissante et qu'on va du premier quartier à la pleine Lune. Elle culmine donc au premier quartier. Nous allons déjà aller sur Stellarium. Nous voilà donc sur Stellarium. Et nous voilà donc à 19h le 21. Donc, je regarde là vers le sud. Vous voyez comme les jours allongent, hein, donc l'équinoxe, nous avons plus de 12 heures de jour maintenant, et de plus en plus. Alors on va plutôt passer à 20h, et 20h, du côté de l'ouest, je réduis un peu le zoom, on va chercher la lune pour commencer. Et elle doit être assez haut dans le ciel, voilà, elle est là. Ouh, elle est très haut dans le ciel. Donc elle culmine hein, au début de la nuit, et comme elle est devant les Gémeaux, elle est même hors limite zodiacale. Oh, je vais mettre une petite grille azimutale pour qu'on voie à quel point on est haut dans le ciel, là. Ça, c'est le zénith, 90, donc 80, 70. La Lune est à près de 70 degrés de hauteur dans le ciel, et elle a déjà passé sa culmination, en fait. Elle culmine à 19h, vous voyez, elle est au sud, et c'est là qu'elle est au plus haut de sa course, donc le 21, le lendemain du jour de l'équinoxe. Donc c'est ce premier quartier de lune est également, alors on va aller un peu plus tard dans la soirée, n'est-ce pas ? Je vais la mettre au milieu, et un peu plus tard on va se rendre compte qu'elle vient d'être conjointe à Mars et Aldébaran le 19, et donc elle poursuit son chemin et elle va être conjointe à Pollux, l'étoile des Gémeaux, Pollux, donc tout ça, ça se passe très haut dans le ciel, à Pollux le 21, donc il faudra regarder. Alors Pollux est ici, il faut que je lui mette son petit nom. Son petit nom, voilà, et juste type étoile. Voilà, donc le 21 au soir, on la voit s'approcher de Pollux, elle est encore un peu loin. Il faut l'observer le 22. Au soir, donc ouest-sud-ouest, sur le couchant déjà. Fichons un peu le dessin des constellations, ça aide à se repérer. Donc Pollux, des Gémeaux et Castor, qui brillent un petit peu moins fort. Le 22 au soir. Et le 23, basta regarder encore. La Lune, évidemment, a doublé les étoiles. Le 24, suivons notre Lune, toujours haut dans le ciel, vous voyez, hein, je redézoome. C'est toujours au sud-ouest et en début de nuit, puisqu'elle va se coucher de plus en plus tard dans la nuit. Hein. Elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Donc, elle avance, donc elle culmine le 24 aux alentours de 22h. Entre le 23 et le 24, elle va passer conjointe à l'amas de la crèche, qui est ici. Mais il n'apparaît que si je lui demande. Alors, je vais le faire apparaître. Voilà. Donc, elle va être conjointe à l'amas de la crèche. C'est pareil, il faut regarder. Le 23 au soir, elle est à la droite de l'amas, qu'on peut chercher aux jumelles, évidemment. C'est pas facile quand il y a la lune à côté qui brille. Par contre, il est facile à repérer parce qu'il est entre Pollux, des Gémeaux, donc ici,
la tête des Gémeaux, je ne sais pas si tout le monde connaît bien, et Régulus du Lion qui est ici. Alors vous tracez une ligne entre les deux étoiles brillantes et au milieu se trouve un petit amas quand il n'y a pas la lune, qui, le ciel est sombre, on le distingue à l'œil nu, c'est une bonne petite tache floue qui après donne des très belles jolies étoiles bien piquées aux jumelles. Donc le 23 au soir, la lune est là, à droite de l'amas de la crèche. Le 24 au soir, elle est à gauche de l'amas de la crèche. Le 25 au soir, elle est conjointe à Régulus, elle est juste au-dessus de l'étoile Régulus du Lion. On se grossit un peu, et je dégrossis aussi, pour qu'on voit à peu près où on en est. Ben, elle est à sa culmination pratiquement à 22h, ou 22h30. Donc en début de nuit, on peut apprécier la Lune qui coiffe l'étoile Régulus. Le 25... Ensuite, que se passe-t-il? Le 26, ben, elle a doublé Régulus, elle est à gauche de l'étoile. Le 27, elle arrive devant la Vierge. Et le 28, eh ben, elle est toujours devant la Vierge, c'est là qu'a lieu la pleine lune. Donc, on va aller la voir le 28 au soir. Donc, on va aller la voir à son lever. Lever de la pleine lune. Signe balance, 9e degré du signe voilà. De la balance, soleil 9e bélier. 18. Ouais. Et devant la constellation de la Vierge. Alors, voyons, on va assister au lever de la Lune. Donc, aux alentours de 20h, mais alors attention, dans la nuit du 27 au 28, on change d'heure, on passe à l'heure d'été. Donc, la veille à la même heure, c'est 19h. Et le 27 à la même heure, c'est 19h, et le 28, c'est 20h. Donc, on va voir la Lune apparaître pile à l'est, puisque c'est une Lune d'équinoxe, hein, pratiquement pile à l'est, elle est là, à l'est, la pile, la latitude devant compenser la petite avancée par rapport à l'équinoxe. Donc, elle se lève pile à l'est à 20h, et on va la suivre dans le ciel nocturne tout au long de la nuit. Donc elle s'élève, elle est donc devant la Vierge, elle va s'élever à une cinquantaine de degrés de hauteur à peu près. Et on va la retrouver au matin, elle va aller se coucher. On la retrouve qui flotte dans l'arche anticrépusculaire à l'opposé donc du soleil levant, et elle va se coucher aux alentours de 8 heures. Voilà, pour la pleine lune, on va pouvoir contempler dans la nuit du 28 au 29, puisqu'elle a lieu à 20h47, c'est l'heure de la pleine lune, le 28 à 20h47. Alors, dans l'astrologie amérindienne, que j'aime toujours citer, qui nous apprend plein de choses simples sur le zodiaque, ça nous renvoie aussi au nôtre, c'est la pleine lune des vers, parce qu'on pense aux vers qui remontent de la terre, du sol qui dégèle, et les vers qui labourent le sol. Donc c'est une ambiance plutôt poisson, là, parce que, vraiment même très poisson. Elle est placée sous le signe de la marmotte qui est connue par sa générosité, son dynamisme et son rêve. Donc il y a à la fois du caractère poisson et du caractère bélier, n'est-ce pas? Elle est du clan de l'épervier et son totem est le faucon. Alors j'ai même relevé, et je vous ai mis avec l'article, la page. Alors changeons ce partage, on va partager autre chose. On va partager l'article ici, vite fait, horoscope, signe. Alors, le faucon, son clan, l'épervier, donc parce que c'est le faucon, le signe totem, le faucon, donc signe de la marmotte, clan de l'épervier et totem, le faucon. Hein, il y a le signe, le clan et le totem, qui sont tout à fait apparentés au R-E-T, le signe pour la représentation, le clan pour l'existence, et le totem pour la transcendance. Ça vous semble logique? Oui. En tout cas, quand c'est donné par trois, on cherche comment ça s'ordonne, en fait, parce que c'est toujours cette même tripartition, donc c'est sympa, on apprend que son élément, c'est le feu, son allié, le corbeau, son animal totem complémentaire, la corneille. Sa couleur, le jaune-vert, qui est exactement celle qu'on a rendue.
aussi dans le diagramme des couleurs du zodiaque, c'est bien le jaune-vert. On entre dans le vert avec le printemps. Avant, on était dans le bleu avec l'hiver et on passe dans le jaune avec l'été. Donc là, on est entre bleu et vert. On allume le feu, un peu de jaune, quoi. Ça met un peu de... Mais ce sera encore plus jaune aux Gémeaux. Et donc, on le dit, avenant, enthousiaste, actif, vif d'esprit. Enfin, on va retrouver beaucoup de caractère du bélier, pionnier, optimiste, dynamique, spontané, chaleureux, courageux, honnête, aventureux, confiant. Et faiblesse, impulsif, égoïste, impatient, distrait, tête brûlée. Et donc, on va retrouver tout ça, on va parler du signe du bélier, le lundi 29, dans l'atelier. Mais c'était une petite mise en bouche. Et donc, chaque fois, je mentionne cette astrologie, mais on peut en penser à d'autres aussi, comme l'astrologie celte, qui sont proches de la nature et qui, en fait, vous allez voir, s'illustrent facilement avec ce zodiaque structurel que je vous enseigne. Donc, nous sommes dans le cycle de la Lune, des arbres en bourgeon. Voilà, c'était pour parler de la pleine Lune. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Je reviens sur Stellarium. Les planètes, le 28. Alors, les planètes du matin, puisque là, on est sur le matin. Donc, on va se tourner vers l'est. Et c'est plutôt au sud-est que ça se passe, le matin. Donc, toute la semaine, on est en heure d'hiver. On passe donc en heure d'été, la nuit du 27 au 28, donc du samedi au dimanche. À 2h du matin, il faudra avancer sa montre d'une heure, on aura mangé une heure comme ça, il sera 3h déjà, on sera 3h, heure d'été. Donc jusqu'à 7h du matin, on aura un peu de crépuscule encore. Enfin, autant regarder un peu plus tôt, du côté du sud-est, voilà. Et maintenant, on commence à voir le matin, à l'aube, on voit Saturne et Jupiter. On ne voit plus que ça. Et le soir, on voit... Donc, on va aller le 28 au soir. Il va falloir attendre pratiquement 21h, n'est-ce pas? Alors, on vous mentionne les étoiles filantes, toujours Stellarium, si je ne les amorce pas. C'est les Virginides, effectivement, plus on arrive dans le maximum de ce très long essaim qui dure de janvier à avril, l'essaim des Virginides, tout temps de cette période, on peut s'attendre à voir des étoiles filantes à sortir de la constellation de la Vierge. Et là, c'est le maximum durant cette semaine et ça peut faire des étoiles filantes, pas très fréquentes, mais assez brillantes et lentes. Donc voilà pour les Virginides. D'accord. Et donc regardons qu'est-ce qu'on voit le soir dans le ciel. C'est du côté de l'ouest. Et donc c'est Mars qui est toujours présente. Mars maintient et entretient. Mars est passé près des Pléiades. Elle va vite, c'était vers le 4 mars. Et donc, nous sommes là le 28 mars. Après, elle est passée conjointe à Aldébaran. Donc, elle est conjointe à Aldébaran le 21 dans le plan écliptique, le 23 dans le plan équatorial, en fait. Donc, elle est conjointe à Aldébaran au début de la semaine. Et vous voyez, à la fin de la semaine, elle a fait tout ça comme chemin. Elle avance et donc, elle se maintient dans le ciel. Du coup, ça retarde quand même son coucher qui, sinon... avancerait, les autres planètes, leur coucher, ils gagnent une demi-heure chaque jour, ou leur lever gagne une demi-heure chaque matin. Donc là, c'est le soir, donc il y a Mars, et par contre, Uranus, on peut l'oublier, surtout que là, c'est la pleine Lune, donc ce n'est pas maintenant qu'on va chercher la planète Uranus. La conjoncture Lune-Mars, on peut très bien la voir la nuit. Ben oui, alors que... c'est la nuit du 20, là elle est conjointe. Au moment où on enregistre, cette nuit, elle est conjointe. On enregistre en avance. C'est le 20, je vérifie. Lune conjoint Mars le 19 à 19h24. Donc, c'était la nuit dernière, mais on va la voir donc à gauche de Mars aujourd'hui. Et en même temps, en fait, on a Lune conjoint Mars qui est conjointe à Aldébaran. Donc, on a le tout en même temps, Lune conjoint Mars et Aldébaran. Ce qui marque ce premier quartier au moment de l'équinoxe, c'est puissant. On a un puissant message activé par Mars, un puissant message des étoiles activé par Mars. Alors, je vais terminer avec ce qu'il y a à voir. Donc, Uranus n'est plus vraiment à voir. Donc, en termes de ce qu'il y a à voir, Lune et planète, c'est tout. Donc, vous voyez, en début de nuit, eh bien, c'est maintenant le taureau qui va aller assez vite se coucher. Et Orion, en début de nuit, voilà ce qu'on a sur le couchant. On a Sirius qui est déjà passé au méridien.
qui est encore la plus brillante étoile du ciel, donc on la voit bien, mais tout est du côté de l'ouest maintenant, Sirius, les trois masses d'Orion, Aldébaran et les Pléiades. Tandis que du côté de l'est, eh bien, se lève la Vierge en début de nuit. Donc le lion est déjà haut dans le ciel, la figure du lion est facile à reconnaître. À gauche, au-dessus du lion, de l'autre côté, si on bascule, si on regarde vers l'est, à droite, on a le lion, à gauche, on a la grande ours qui s'élève, donc, et qui va monter comme ça, et qui, un peu plus tard dans la nuit, bah, plane carrément au milieu du ciel. Voilà, je suis au nord. Au nord, en bas, on a Cassiopée et le dragon. Et donc, en haut, assez haut, on a la grande ours. On voit la brillante Capella, c'est du côté de l'ouest, donc elle descend. Et on se retrouve du côté de l'ouest avec Mars. Voilà, c'est le ciel le 28. Enfin, c'est pour la semaine, c'est bon. Je finis ce partage. Et je vais vous faire un petit tour sur la petite chronologie. Donc, le 21, la Lune est devant la constellation du Taureau dans le signe des Gémeaux. Elle entre en Cancer à 13h17 dans le signe du Cancer et elle arrive devant la constellation des Gémeaux à 14h11 et c'est le premier quartier à 15h40 le dimanche 21 mars. Donc, le 22 mars, elle arrive à sa déclinaison maximale car elle est hors limite zodiacale depuis le 20 à 9h35. Donc, elle atteint sa déclinaison maximale plus 25 degrés. Au-dessus du plan de l'équateur. Le 23, elle est conjointe à Pollux, à 10h48, à l'étoile Pollux. Elle arrive devant la constellation du Cancer à 18h29 et entre dans le signe du Lion à 22h56. Le 24, à 2h17, elle rentre dans les limites zodiacales et elle est conjointe à l'amas de la Crèche à 11h26. Le 25, elle arrive dans la constellation du Lion à 5h36. Le 26, elle entre dans le signe de la Vierge à 4h25 et est conjointe à l'étoile Régulus à 4h39. À voir donc le 25 au soir. J'arrête là, ça coupe dans une seconde. Bisous, à tout à l'heure. Merci d'être là.